Un chrétien qui reçoit le don de la foi lors du baptême, mais qui ensuite n'utilise pas ce don pour servir, devient un chrétien sans force, sans fécondité. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de la messe à Sainte-Marthe. Au cours de l'homélie, le pape a aussi mis en garde contre la paresse qui éloigne du service et mène au confort et à l'égoïsme. Il a ensuite mis en garde contre la tentation de prendre le contrôle des situations qui transforme le service en une structure de pouvoir. Le pape a ensuite invité les fidèles à toujours suivre l'exemple de Jésus qui nous parle de service dans l'humilité, un service dans l'espérance. Nella vita dobbiamo lottare tanto contro le tentazioni. Au cours de notre vie, nous devons souvent lutter contre les tentations qui essayent de nous éloigner de cette attitude de service. La pigrizia che porta alla comodità. La paresse qui conduit au confort, c'est donc un demi-service. Et prendre le contrôle de la situation, se comporter comme patron et non serviteur, mène à l'arrogance, à l'orgueil, au mépris des gens, à se sentir important car on est chrétien, on a le salut, et ainsi de suite. Que le Seigneur nous donne ces deux grandes grâces, l'humilité dans le service, pour que nous puissions nous définir serviteurs inutiles, mais serviteurs jusqu'au bout, et qu'il nous donne l'espérance dans l'attente de la manifestation quand le Seigneur viendra nous rendre visite.